Pourquoi t'es presque aussi fort qu'un admin? Bah, techniquement, il est plus fort que tous les admins qu'on a affrontés, hein. Il met la pâtée à tous les types du groupe Homme désormais, mais... Hyper potion? Vitesse plus? Mince. On va souffrir, les gens. Mais bon, ça, on verra bien... très bientôt, en fait. Donc, cependant, pendant que je fais des courses, parce que je vais en avoir besoin si je veux pas avoir à aller... me, entre guillemets, soigner auprès d'une machine, d'un PC constamment. Je vais acheter juste du chose. Et donc, bonjour tout le monde, Ninja 2, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Colosseum. La dernière fois, nous avons enfin démarré le post-game. Et on va en acheter 5 de plus. Et après avoir discuté, enfin, après avoir purifié déjà les deux derniers gros obscurs qui me restaient, puisque j'avais absolument pas envie de me casser les pieds, et waouh, pile poil, parfait, hop. Et bah on a pu parler à Len, lequel m'a dit de parler à Marc, lequel m'a cassé la tronche, après il m'a dit d'aller au repère de la Team Snatch, et c'est exactement là où on va. Il va faire du bien, parce que c'est une nouvelle zone, et surtout... on va revoir nos potes! Je suis sûr qu'ils nous attendent avec impatience. Le repère de la Team Snatch, donc il ne reste plus que des ruines. Je me demande ce qui s'est passé ici. Un accident naturel, peut-être. Vu la zone des explosions, c'est naturellement nécessaire. Donc, bienvenue dans les ruines du repère de la Team Snatch, avec une porte qui a la classe, la vache. Hop. Et vous avez un nouveau message. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des nouveaux Poké pour ma liste. Furisson. Je transmets un message de la part de Marc. Il m'a dit que de vous dire que le dresseur qui a un furisson obscur s'appelle Rosso. Faites attention. Je vois pas en quoi connaître son nom va changer grand chose, mais ok. Donc. Le repère de la Team Snatch est cool. Et il y a des objets. Ça faisait longtemps, un max élixir. Je doute de jamais m'en servir, mais bon. Donc voici notre... ordinateur et unique machine de soins pour l'intégralité de la zone. Donc ça signifie qu'à chaque fois que vous voudrez vous soigner, faudra venir ici, déposer vos pokés et toutes ces bêtises. Ça va être cool. Le problème, c'est que à chaque fois que vous allez revenir, il me semble, vous aurez ça. Ça faisait longtemps, tu m'as eu la fois d'avant, mais cette fois-ci, ça ne se passera pas de la même façon. De cette zone, vont tomber, donc d'après ce que j'ai pu trouver, 6 guerriers ombres, sbires, choses... Oh génial, je suis content d'avoir mis Capoeira, tiens. Qui ne peuvent pas être affrontés ailleurs. Ceux-ci posséderont Yanma, Capoeira, Coxyclac, Cadoiseau, Eliatron et Scarino. Si vous ne les aviez pas eus. Si vous les avez eus, ben, ils vont vous affronter, mais ben, ils auront pas d'obscur, quoi. Donc c'est tellement pas si mal. Et bien entendu, vous pourrez les réaffronter. Alors, entre guillemets à l'infini... Je sais pas s'il faudra... Oh, bizarre. Je sais pas s'il suffit juste de sortir de la zone et... boum, c'est bon, vous pouvez les affronter, quoi. Ou... Oh, misère. Ça commence super bien. Au contraire. Ouais, donc je sais pas si ça, il faudra... il me semble que ça manque. Sortir de la salle et revenir va faire qu'un autre tombera du plafond parce que... je suis quasi sûr que à chaque fois, j'étais obligé de... Ce ninjasque va être une bon sang de cochonnerie. Donc là, il a plus un d'attaque et il a plus un d'esquive et il va avoir plus de vitesse. Pico. Ok. Bizarre. Donc ouais, ils vont être lourds. Alors en plus son ninjasque est niveau 55, l'autre est juste niveau 51, c'est la gloire. La plus totale, la plus absolue. On va essayer d'utiliser une onde folie. Oh. Logique. Ninjasque est l'un des meilleurs relayeurs du jeu. What? Ok, d'accord. Ah, puisque bah, il peut vider ce genre de choses, quoi. Par défaut, vous faites abri une fois. Vous avez un plus 1 de vitesse, vous allez troller. Boum. Alors au moins, ça fait du bon dégât. Surpris d'avoir touché.
Et après d'avoir touché 2. Ah, si Mascadra et se prendre de la confusion, elle rend super cher parce que sa défense est en papier mâché et elle a plus en attaque. Et toi, j'aimerais vraiment ramener Capoeira maintenant. Enfin, t'en libre. Qu'est-ce que t'as en dernier? Explosion? Pico, mur lumière, protection? Alors, on va quand même essayer de lui taper dessus, mais on va envoyer Torlibra. Il va prendre un peu de dégâts sur les picots, mais c'est la vie. Bonk. Mais bon, effectivement, Mascadra se fera moins de dégâts sur la confusion si ça s'active, mais avec du go... Non. De toute façon, ce trou, il va pas être confus. Oh, ça... Laissez-moi deviner, plus un, non, merci. Ok, d'accord, t'as que de la cochonnerie, tu m'inquiètes pas. Bah, techniquement, c'est pas si de la cochonnerie que ça, puisqu'il a le meilleur stab insecte qu'il puisse pouvoir... qu'il puisse obtenir. Je sais même pas comment... Quoique, peut-être que Pomme de Pique peut avoir d'arnué naturellement, j'en sais rien. Par défaut, déjà, on va virer les murs. Il aura qu'à les reposer. Oh, un coup critique. J'aurais préféré l'avoir au précédent, mais je prends tout ce que je peux avoir maintenant, parce que c'était pas dit que ça achève réellement. C'est pas parce que je lui ai viré 50% de sa vie la présente fois que j'aurais reviré 50% cette fois. Donc, retour du Ninjask. Au moins, son Fort Retress vaut que Quick. J'ai vu qu'il a 3 coups non offensifs, et je peux me débarrasser de ses 2 murs avec un seul coup. Pendant que Darnué, il a moins 2 d'attaque. Donc, ouais. Je suis surpris que t'aies décidé de viser Waiter plutôt, parce que j'ai une résistance, mais j'imagine que ça change rien. Est-ce que le type combat résiste au type insecte? Je sais jamais. Je dois admettre que c'est pas le... Donc on va balancer Laser Glass, parce que je suis plus rapide que toi, Coco. Parce que glissade dans ta fosse. Vu que tu vas rebalancer Reflet, oh merci. Ninjask est en carton-pâte. Et sur papier, il est bon à jouer, mais le problème, c'est que c'est juste attaque descente, extraordinaire vitesse et turbo. Ok, d'accord, après, t'avais une équipe un peu bizarre, mon cher ami, mais je prends, je m'en fiche. Donc toi, tu vas continuer à avancer, tu vas remettre tes murs. Idéalement, le temps que j'en finisse avec Charmillon, je pourrais... Bah, la pluie s'est arrêtée, c'est très bien. Je suis pas sûr qu'elle aurait réellement changé grand chose dans la réalité, mais bon. Tu vas balancer Casse-Brique à nouveau. J'ai pas envie de retirer mes pokés, puisqu'ils vont se prendre du picot, et je pense que ces deux-là peuvent très bien finir le boulot. Mais voilà, vous aurez affronté un Gus comme ça à chaque fois que vous repasserez par ici, sauf erreur. Et je sais plus si ça marche au retour. J'ai pas nécessairement envie de tester, mais voilà, vous pouvez réaffronter tous les types qui avaient naturellement c'est les obscurs que j'ai mentionnés. Donc à nouveau, Yanma, Capoeira, Coxyclac, Cadoiseau, Eliatrons, Carino. Donc Wild croit que c'était le type qu'on a affronté au début avec le Yanma, donc j'imagine que s'ils font ça dans l'ordre, ça va être Scrub, le Coxyclac, c'était pas et c'était Cap qu'il avait. Et pendant que Cadozo, Eliatron et Scarino, c'est les types de la tour Titanide, donc voilà. Ils sont à la hauteur de ta réputation. Bon, les endroits commencent bien. Au moins, j'ai pas pris beaucoup de dégâts, parce que t'as passé plus de temps à balancer tes pokés dans tous les sens que vraiment faire grand chose efficace, mais bon. Il y a aussi beaucoup de machines et distributeurs, mais ils sont tous cassés, donc espérez pas pouvoir les utiliser. J'étais déjà sur le pad. Tellement l'habitude d'être sur le Pokémon à la place. Mail. Vous allez recevoir énormément de mails. Je pense qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient sous-utilisé cette fonction pendant l'intégralité du scénario et se sont dit, post-game, on abuse. J'ai réussi à décoder 6 nouveaux obscurs, donc Tyranossif, Feu Forêt, Magma, Colorior, Absol et Scarino. Donc on les a quasiment tous, le seul nouveau c'est Colorior. Donc je sais pas. Mais d'un autre côté, vous pouvez en manquer. Si vous affrontez pas tout, etc. Donc là, maintenant, on est dans la vraie partie du donjon. Mais les... Vous savez quoi, on va... j'ai pas envie, ça va bouffer 10 minutes de plus. On va le faire quand même.
Je veux aller me soigner au PC. Salut Scrub. À cause de toi, mon rang dans le groupe ombre est descendu. Je sais pas si c'est vraiment le cas, je sais plus s'il s'appelait, s'il avait un autre titre avant. Je pense qu'il a toujours été guerrier ombre. Et t'as toujours un casque spécialement rien que pour toi, donc je sais pas. Mais, ouais, donc voyez, je sais pas si c'est le conseil, une fois que vous avez vaincu les 6, ils vous laissent tranquille. Ah, quelle sûr que vous pouvez les raffronter à l'infini, j'en sais rien, mais voilà, vous pouvez le constater, c'est lourd. Ah, c'est lourd et je peux pas faire grand chose là. Que lui toque est lourd aussi bien pour l'ennemi que pour nous. Il est lourd pour nous parce qu'on peut pas retirer nos pokés. Mais il est lourd pour l'ennemi parce qu'il sert à rien. Je peux juste ignorer son Kubutoke et m'acharner sur son allié. Mon seul problème, c'est que bien sûr, là, je vais avoir du mal à pas... avoir quelqu'un qui va se faire mettre KO par sa cochonnerie Kubutoke. Alors, comme d'habitude, je sais pas pourquoi il commence quasiment à chaque fois toujours avec riposte sur Waiter. Mais je suis quasi sûr qu'après, il va juste se contenter de balancer Mur Lumière sur Waiter en boucle. C'est ce qu'il avait fait la dernière fois. Mais Torlibra va aussi... voilà. Je sais pas comment l'IA analyse ces trucs-là. Mais par défaut, il faudra bien que je tabasse Kubutoke à un moment. Je vais pas... Et dès qu'un des deux sera mis KO, ben ce sera l'heure de balancer du... Poil Miroir, et hop. Ce sera l'heure de balancer du Hopster avec morsure ou qu'est-ce que j'en sais, ouais. Hop. Ouh, joli. Est-ce que tu seras assez rapide? Tu es assez rapide. Bah, je préfère éviter que ce soit Torlibra qui se fasse mettre KO parce qu'il a retour et j'ai pas fait attention à combien c'était désormais. Voilà. Ok. Donc, au coup, son équipe a jamais changé, je crois. Bah écoute, boum, et on va essayer ça, et je vais espérer que l'IA ne décide pas subitement. Je vais faire attention, il a réutilisé Voile Miroir. Bref, boum. Oh, plus un coup critique. C'est absolument pas nécessaire. Il est qu'à niveau 50 aussi, quand même. Bah ben, bref. Nous en vit, ça leur fait un peu d'XP. Combien de cœurs? Toujours 3? Toujours 3. Oh, les dégâts misérables. Voile Miroir. Message. On va balancer dans ce pluie, on va continuer avec retour. Non, en réalité, je vais probablement utiliser laser glace dans l'espoir que ça gèle. C'est le seul truc que j'ai réellement. Un miroir. Bah, je pense que je vais faire un laser glace et si Waiter survit, je vais arrêter. Mais j'aimerais éviter de passer une demi-heure à taper un Kubu. Parce que je pense qu'on a tous mieux à faire. Mais ouais, donc vous voyez, ça peut être très drôle parce que vous vous dites par exemple, vite, je vais aller au PC pour me soigner. Boum, un guerrier, on vous tombe dessus. Donc je sais pas si, une fois que vous avez géré les 6, on voit le miroir, donc c'était inévitable, hein, il y en a forcément. Donc la question c'est, est-ce qu'il survit ou pas? Nope. C'est triste. Mais c'est pas surprenant. Ah, Kulbu est très très violent et c'est toi qui vas y aller, t'es pas encore niveau supérieur. Allez, boum. Au moins ça va donner une belle quantité d'XP, c'est juste que Waiter a besoin d'un petit peu plus quand même. Mais Torlibra, c'est bien fait plaisir. Ta vitesse. La différence en attaque et en vitesse, alors que c'est au même point normalement. Mon organisation va encore dégringoler. Ton organisation est en train de dégringoler. On a emprisonné ton chef. Je sais pas ce que t'espères à ce stade. Je suppose que ça représente aussi l'une des grosses... entre guillemets faiblesse ou l'un des problèmes qu'a le groupe ombre qui est que les membres semblent pas avoir de bonnes priorités.
on vient de enfin, ton chef est supposé avoir été capturé, et c'est pas le moment de te poser la question de quand t'arrives ta prochaine promotion, mon vieux. Mais bon. Donc voilà, donc à chaque fois qu'on sort de la salle et qu'on revient, on a un nouveau type. Donc si vous voulez les affronter en boucle, soit pour de l'expérience, soit pour les pokés que vous avez pu rater, vous pouvez. Donc la zone elle-même est super grande. Elle est pseudo-labyrinthique. Elle a genre 3 étages, je crois. Elle est d'un point de vue atmosphère plutôt sympathique. Elle est très lumineuse. Considérant que y a pas vraiment de fenêtres et... Je suis pas convaincu qu'elle soit éclairée après qu'il y ait une explosion qui soit passée par là, mais bon. Je crois que par là, je n'ai pas réellement envie de m'y rendre. Oh, tu vas pas m'arrêter? Bon, bah, très bien. Le rappel Max. Ok, on dirait que tu fais des vagues un peu partout. Je vais te laisser dans le même état que le Snatcher que tu as détruit. Lequel? Celui que j'ai embarqué avec moi? Bakuza! Ok. Pas des trucs très dangereux. Considérant qu'il pourrait être évolué depuis des lustres. Même Rhinocorn. Et pourtant, Rhinocorn évolue niveau 5 milliards et demi. Et ça m'arrive d'évoluer tôt, cette cochonnerie. Y a aucune raison pour qu'il évolue aussi tard. Éclate griffe. Mince, que j'aimerais avoir des pokés qui ont ça. Pourquoi est-ce qu'ils ils ont vraiment profité de l'occasion pour donner des tonnes d'attaques spéciales, étranges ou peu courantes aux pokés, en général par reproduction. Mais quand vous obtenez les obscurs, ils vous donnent que dalle. C'est vraiment triste. Imaginez les opportunités de pouvoir vous donner des pokés avec des attaques qui changent. Je sais pas, je trouve juste ça un peu dommage personnellement. Oh la vache. Je pensais pas que ça suffirait, mais c'est Masco, quoi. Il est super cool. Il est super classe. Mais il est pas évolué entièrement. Niveau supérieur. Mangré, vas-y donc. T'as du potentiel, mon cher ami. Mangré est plus dangereux. Je m'attends à ce qu'il s'acharne tous sur Wetter, surtout avec sa défense diminuée d'un cran. Et éclat de griffe. Ok, en fait, c'est l'équipe éclat de griffe. Est-ce que Rhinocorn peut avoir éclate-griffe? Donc bien sûr, on dégage Mangriffe d'abord, parce qu'il est extrêmement dangereux. Toi, tu vas te faire démonter si je te laisse là. Parce que je crois que t'étais plus lent que Vigoros. J'ai pas fait super attention, mais je pense que t'étais plus lent. Et si t'étais plus lent, ben j'ai pas envie de perdre... Wetter encore une fois. Ouais, t'étais plus lent. Hein ! Bizarrement, ne sera ça, ça lui est jamais arrivé. Allez, boum, disparaît. Je bronze, parce que ça m'évite de devoir me soigner plus que ça, mais... Trop fort. Bah, ton équipe était composée de... Majoritairement non évolué, mais c'est pas la meilleure stratégie. Je pense pas que tu sois si fort, bah étonnant que tu sois célèbre. Il me semble que là-haut, c'est pas un endroit où j'ai envie d'aller du tout. On va mettre Obster devant, même si... On va vérifier... Dites-moi que je me trompe, il me semblait que c'était plus tard, c'est bon, ça c'est plus tard. Donc, 3 super bonbons qui... me serviront pas vraiment, puisque j'en ai rien à cirer des super bons mecs. Enfin, je sais qu'il y en a certains qui les trouvent et disent « Ah, des super bonbons, trop bien !» C'est 3 niveaux, vous avez 6 pokés, je vois pas vraiment en quoi c'est si extraordinaire. Surtout à ce stade du jeu, désormais. Ah, donc là-bas, c'était le bureau de notre ami Elgonza. Révélation. Comme il faut qu'on ait une opportunité de recapturer Armure si besoin, il sera là-bas de nouveau. Et il aura des gros niveaux. Mais je me doutais bien que c'était... Enfin, je me souvenais que c'était pas tout de suite.
Donc là, on est au deuxième étage. Peut-être qu'il y a que... Bah non, on est trop. Non, on est au deuxième étage, donc rez-de-chaussée, premier étage et deuxième, et... Et pas un membre d'un... Personne nous affronte, c'est marrant. Je m'attendais à ce qu'il nous soit sous dessus, je me souvenais mal. Il doit bien y avoir quelque chose. Il doit bien y en avoir quelque part, des Pokéballs revenant de puissants Pokémon. Tu n'en aurais pas sur toi. Ça dépend, j'ai un Posipi. Est-ce que ça entre dans ta définition de puissant Pokémon? Si la réponse est non, tu peux avoir... Quoi? Honnêtement, je suis convaincu qu'on était supposé visiter cette zone avant. Et ils ont juste augmenté les niveaux des Poké ou je sais pas quoi, parce que y a pas de raison qu'on ait un Mediena en face de nous à ce stade du jeu. Oh, bah un Bulldo sur Mediena et Morsure sur Kadabra, je veux dire, c'est pas trop ce que son Kadabra va faire de concret, c'est, il est puissant normalement, mais... Non, et vous... Enfin, quoi que non, Kadabra est costaud. C'est juste que là, ben... Bon. Et Mediena, je suis désolé, mais... Graiena est, j'aurais dit, au mieux dans la moyenne, au pire en dessous de la moyenne. Je sais pas, un très très bon Poké. Il a ses avantages, mais il a l'inconvénient d'être aisément surclassé. Oh, mais Mediena niveau 50, je suis désolé, mais qu'est-ce que tu fiches, mec? Oh. Oh, quelle tristesse. Tu vas faire un coup d'abri et on va quand même achever Kadabra. Pas de raison de prendre des dégâts complémentaires juste pour faire plaisir. Quoi? Non. Ça me donne vraiment l'impression que les devs se sont dit « Oh, regardez toutes ces attaques que personne n'utilise jamais parce que elles sont bizarres. » Ok, d'accord, donc t'as la mère et et l'enfant. J'ai pas fait attention si c'était un mâle ou une femelle, mais d'accord. On va balancer... Enfin, par défaut, je dois admettre que j'ai plus peur de Linéon que de Graiena. Donc un plan peut voler notre objet, mais j'ai jamais eu l'impression que ça marchait dans ce jeu. Et ça donne pas l'impression, il n'y a pas eu le texte indiquant qu'il l'a volé. Mais j'ai regardé après, là, si on l'a encore. Je sais pas si c'est pas juste parce que les attaques pouvant voler les objets ont été désactivées, puisque normalement dans Ruby, Saphir, Emerald, elles fonctionnaient. Vous utilisiez Larcin, Implore, peu importe, sur un... Tiens, cette attaque me rappelle un truc, vous savez pas, quand j'avais passé une demi-heure à chercher quel était le nom de cette cochonnerie. Bref, Larcin, etc., qui c'est le seul moyen d'obtenir ceinture noire, poudre argentée. Ouais, j'ai encore un objet. De toute façon, oui, j'ai changé. C'est le seul moyen de les obtenir dans le... On va envoyer Fafmir. Je vais pas utiliser Séisme pour des raisons logiques. Enfin, après, je peux toujours envoyer Wither si j'ai vraiment envie. Mais... Ouais. Donc, ils fonctionnaient contre des dresseurs et ont gardé l'objet après le combat dans Ruby Saphir Emerald. Et à partir de ce jeu, il me semble, ils ont fait en sorte que ce n'était plus le cas. Bon, parce qu'ils se sont aperçus que ça signifiait qu'ils pouvaient pas donner à des dresseurs des objets puissants et éviter qu'on les vole. Genre, vous imaginez, la Ligue, ils se mettent à leur donner des bons objets tenus, et vous pouvez faire une pile de trucs craqués, ou vous pouvez faucher les hyper potions, pas les hyper potions, les bécitrus, ces genres de bêtises. Enfin. Et tu me casses les pieds, toi! Et seulement, j'avais un truc avec Tempo Perso. J'ai pas envie que tu te prennes des dégâts de confusion. Oh, et Torlibra, j'en sais rien. J'aime pas quand l'intelligence artificielle fait ça. Mais bon. Je n'aime pas énormément Vantardise en tant que tel. Quand c'est moi, je sais que je vais me prendre la confusion et que mes Poké vont se mettre KO super vite. Quand c'est l'IA, je sais pertinemment qu'ils vont pas être confus et qu'ils vont m'arracher la tête avec le plus 2 que je viens de leur donner. Et voilà, c'est juste mon impression personnelle. Merci d'avoir arrêté. Maintenant, tu vas me faire plaisir et exploser spontanément en plein vol. Malheureusement, comme j'ai dû changer mes Poké dans tous les sens, je doute que ça donne l'expérience pour que Hopster gagne son niveau supérieur. Merci, au revoir.
un prochain combat. Effectivement, tu en avais de puissants Pokémon, j'ai même pas sorti Arthur pourtant. Ok, je devrais peut-être arrêter, mais... Ouais, en fait. Où est-ce que tu les as trouvés? Moi aussi j'en veux. Je les ai volés, pour la grande majorité. En fait, non, juste pour la moitié d'entre eux. Deux d'entre eux étaient à moi dès le début, en admettant qu'ils n'aient pas été fauchés ailleurs. Un m'a été donné généreusement, et les autres ont été généreusement empruntés à Dodgus. On va utiliser une... Je crois que j'avais des limonades, non? Ok. Je me souvenais plus agressif, pour être tout à fait honnête. Je pense que c'est surtout parce que je n'avais jamais vraiment conscience de comment fonctionnaient les types qui tombent du plafond à l'entrée, donc... Vous savez, le concept, j'ai fait la moitié du truc, je veux me soigner... Oh, un combat complémentaire! Ah, bonjour, monsieur. Monsieur? Mickaël, ta chance s'arrête ici. Oh, tu sais, ma chance, elle monte, elle descend. Hein. Jail. Ou prison en anglais, ce qui est plutôt étrange pour un nom d'un voyou. Oh, lanterne. Non, ben, je sais pas pourquoi, mais Wether ne reste pas ici. Alors là, j'ai très envie d'envoyer... Bon, toi tu vas faire abri, Hobster, on va te remplacer par Apture pour qu'il puisse balancer du tonnerre sur ce cher hypocéan. Malheureusement, il pourra rien faire de concret sur notre ami Lantern, étant donné que celui-ci... Normalement, absorbe Volt en capacité spéciale. Oh. Ah, ça pique un peu. Je m'attendais à ce qu'il s'acharne sur Wether, mais j'admets que hypocéan n'aura pas tout, bref. Fafnir, tu remplaces Wether. Apture, tu atomises Hypocéan parce que sa défense spéciale est, sauf erreur, absurdement faible. Genre, il a pas de défense spéciale. Sa défense physique est bonne, mais sa défense spéciale est inexistante. C'est étrange. Je sais pas pourquoi. Un niveau supérieur. Rayon Lune. Honnêtement, il y a des fois où j'ai à moitié envie de lui donner, mais non. J'étais dans une équipe Zénith, peut-être. Mais j'étais dans une équipe Zénith, bah, quoique, il est pas nécessairement le pire. Étincelle, nanana... j'avais à moitié envie de balancer encore sur Lantern, mais je pense qu'on va juste faire Séisme Abri pour se débarrasser de Lantern, et au tour suivant, on balancera un grand tonnerre dans la phase de Bekipan. Ah, si seulement Apture était type vol. Ah, un vol électrique. De support. Ah, ça serait fun, tiens. Si seulement ça existait. Un jour. Un jour. Oh, wow. Ah bah, dites donc. Mais là, j'aurais peur que tu me balances un laser glace dans la tête. Ou un psycho sur Apture dans la réalité. Mais bah, on verra bien si Apture se fait mettre KO. C'est malheureusement... Malheureusement, c'est une partie de son existence et je ne peux pas vraiment l'éviter. Je pense pas qu'il mettrait KO Staros. De toute façon, j'espère qu'il dépasse Staros en vitesse. Normalement, oui, avec les EV, IV et toutes ces bêtises. C'était pas nécessaire! Oh, pauvre bête. Oh, pauvre de moi. Le truc, c'est qu'il l'apprend naturellement, donc je peux même pas vraiment le reprocher. S'il vous plaît, un peu de chance, merci. Oh, bordel, merci. Content de voir que Apture partage mes sentiments. Bonne quantité d'XP. Tu m'as eu! Ton équipe était pas mauvaise, mec. Un jour, je te ferai connaître la douleur. Ah, oula, pardon, désolé. Loin de moi l'idée de t'empêcher de marcher un peu là où tu veux. Objet. PV+, il y en a 3 PV+. Je pourrais les utiliser, mais en fait, j'ai aucune idée sur quoi. Il reste encore pas mal de choses à voir, donc je pense qu'en fait, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on va finir notre premier passage, parce que je vous dis tout de suite, On va revenir ici plus tard, parce que c'est une zone optionnelle, donc ils vont pas mal la trafiquer pour accommoder leurs besoins.
Donc voilà, s'arrêter là, je vous retrouve la prochaine fois pour qu'on finisse cette zone. Et idéalement qu'on puisse choper ce ferisson obscur sans trop de mal, parce que ce serait cool. Peut-être utiliser mon autre limonade sur quand même. C'est entre guillemets du gâchis, j'aurais une super potion, ça aurait été mieux, mais bon. Mais ouais, donc je vais m'arrêter là, et je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on puisse finir cette zone. Potentiellement choper le fameux ferisson obscur, et voir ce que le reste du postgame a à nous réserver. Donc d'ici là, ciao.